avez une peau réactive, vous ne vous pouvez pas utiliser le rétinol, d'accord? Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, pas de rétinol. Vous ne pouvez pas utiliser le rétinol en même temps que les acides de fruits parce que la peau ne va pas le supporter, d'accord? Donc, je répète, vous utilisez des crèmes à base de rétinol, mais vous ne pouvez pas utiliser en même temps des crèmes à base d'acide de fruits. C'est trop pour la peau. Surtout si vous avez une peau réactive. Vous êtes enceinte, vous allaitez, vous évitez les produits à base d'acide salicylique. L'acide salicylique vous fait penser à quoi? À l'aspirine. L'aspirine qui est contre-indiquée, bien sûr, chez les femmes enceintes à cause du risque de saignement, du risque hémorragique que cela peut provoquer. Les acides de fruits. Oui, vous avez une peau réactive, vous n'utilisez pas d'acide de fruits. Les acides de fruits, oui, mais l'acide salicylique, contre-indiqué chez les femmes enceintes ou chez les femmes qui allaitent. Le rétinol, oui, bien sûr, à partir d'un certain âge, mais uniquement le soir et contre-indiqué chez les femmes enceintes et chez les femmes qui allaitent. Et on n'oublie pas une chose, bien sûr, la crème solaire. Le matin, avant de sortir. C'est important. Merci.